changer le nom d'un fichier. Alors, on a remarqué que quand on mettait un espace dans le nom, ça marchait, mais c'est compliqué parce qu'il faut mettre des guillemets. Donc, si je descends dans mon dossier maintenant, but 1, ls. Non, attends, si je descends dans mon dossier but, ben non, tout simplement, si cd but ls, j'ai donc but tc, but 1, but 2, but 3. Si je descends dans but 1, cd but 1, ls, j'ai mes tests, test 1, test 2, test 3, test 4 et test prochain. J'ai peut-être envie, test prochain, de le renommer en test 0, par exemple. À ce moment-là, je vais faire tout simplement mv, test prochain, entre guillemets. C'est rien d'autre qu'un déplacement sous le nom de test 0. Si je fais un ls, j'ai test 0, 1, 2, 3, 4. De la même manière, j'aurais pu le renommer et le déplacer à un autre endroit. J'ai test 5. Si je fais un ls, là, j'ai test 0 à 4. Si je remonte d'un niveau, je fais cd point point. Cd point point. ls, ça n'a pas marché tout à l'heure parce que je n'avais pas mis d'espace entre cd et point point. Hop. J'ai un test 5 là. Ce test 5, je pourrais très bien le déplacer dans le dossier but 1 en lui changeant de nom, en lui donnant par exemple le nom de test final. À ce moment-là, je vais faire un mv test 5 que je déplace dans but 1 slash test final. Je ne vais pas mettre d'espace. Ça, j'aurais pas besoin de mettre de guillemets. Je valide. Si je fais un ls de but 1, on voit qu'on a test 0, 1, 2, 3, 4 et test final.